Dans un décor de campagne idéal, Berg fait oublier son appartenance à la Flandre maritime. Le poète Alphonse de Lamartine, député de Berg dans les années 1830, put trouver l'inspiration le long des remparts fleuris de cette ville fortifiée, en se penchant sur l'eau dormante des douves, en franchissant le pont et la grande porte, ou en se promenant dans les jardins au pied des tours carrées et pointues. Depuis 1953, le musée est installé dans l'ancien Mont de Piété, un édifice du baroque flamand avec sa façade de briques parées de pierre, ses volets peints, ses pignons à volutes, œuvre de l'architecte, peintre et ingénieur Wenceslas Koberger, qui travailla pour les archiducs Albert et Isabelle d'Autriche. Également financier, il créa de nombreux Monts de Piété et autres banques de charité. Commençons la visite par l'incontestable chef-d'œuvre des collections, ce Vielleur aux chiens de Georges de la Tour, XVIIe siècle, initialement attribué à Zurbaran, puis à Ribera, finalement reconnu de la main du maître Lorrain en 1935. L'œuvre appartient à la première période, dite diurne, de l'artiste. Elle inaugure une série de Vielleurs dont le plus achevé est au musée de Nantes. Scène mélancolique et sombre, où la seule brillance est dans les yeux du chien, en contraste avec des orbites noires et vides du mendiant aveugle. Autrement marqué par une certaine coquetterie, cet autoportrait de Mathieu Elias qui imagine son pinceau entre les doigts d'un ange. En fond de salle, cette orageuse bataille de Lépante de Andries von Kertveldt offre au genre de la marine la richesse foisonnante d'un récit aux multiples épisodes et à grand spectacle. Ce festin de mauvais riche de Gaspard van den Hoek est une œuvre critique qui met en scène de sombres tractations dont un des protagonistes semble surpris par le peintre, avec pour arbitre une jeune femme dans la pâleur dit l'innocence. Ce serpent est-il celui qui va mordre Cléopâtre? Cette sculpture, bien solitaire dans ce monde de peinture, au centre d'une salle dévolue à la figure féminine, distribue les images de quelques célèbres héroïnes. Suzanne, entreprise par des vieillards, de Jan Massis, ou de Jacob van Loo, ses jeunes filles proches de celles de Fragonard ou de Watteau, fêtant Myrtille et Amaryllis. Ou encore attribuée à Jean de Rère, cette Salomé,
dont la tête semble aussi glacée que celle de Saint Jean-Baptiste, qu'elle porte sur un plateau. Dans ce « Christ et la Samaritaine » de Pierre-Antoine Verlinde, éclatent les couleurs saturées typiques du maniérisme. Le cycle du martyr des douze apôtres devait compter un nombre pair de tableaux, à présenter en deux séries égales et symétriques. Mais une peinture manquante a donné lieu à la commande d'une œuvre d'une autre facture, ici à gauche, aisément repérable. De la chasse de Saint Vinoc, ce buste reliquaire est de l'orfèvre Wilhelm Schubert. Étrange tableau de Jean-Baptiste von Neuminkhoven, où les reliques de Saint Minoc sont portées dans la rivière pour y être baignées, tandis que la cérémonie est observée par des badauds depuis un pont. C'est dans un décor d'intérieur domestique que sont présentées cette nature morte, dans le goût de Joris van Zoon, et au-dessus de la cheminée, ce pêcheur étalant ses poissons, un anonyme flamand du XVIIe siècle. Dans la même pièce, d'autres natures mortes, aux poissons sur la table et aux poissons dans un panier, toutes deux de Rutger Wertburg. Passage de la nature morte à la tête de mort, symbole obligatoire de toute vanité, comme celle-ci, dite à la cassette d'or, de Cornelis Norbertus Gisbrecht. En ces terres flamandes de carnaval, celui-ci est italien. C'est un Carnavale de Michelangelo Cercozzi. Cette copie ancienne d'une peinture de Gillis Mostart évoque l'ambiance et les personnages d'une kermesse à la campagne. Clôture du parcours avec ce magnifique paravent d'un anonyme flamand du XVIIe siècle qui distribue en un polyptyque le récit d'une kermesse aux épisodes festifs, ludiques, musicaux et galants. Les trésors rassemblés dans cet ancien mont-de-piété ont été déposés par une vieille dame qu'on appelle Histoire de l'art.